route pour un sommet sacré. 1er septembre, la piste est ouverte. Mais il y a du monde, hein. Allez, on prend la glacière. On monte à la glacière. Aujourd'hui, au menu pour ce soir, au sommet, petit poulet aux épices avec des penées. Ça, c'est la part de monsieur Alexis. Mitch, c'est le plus important pour lui, le bouffe. Pour midi. Salade du jardin. Après, on se balade avec au sommet, fruits frais et tout. Hein. Le moment de la semaine où je mange le mieux, c'est en montagne avec Michel. Bon, le sac, voyons. C'est à combien ? 14,7. Combien ? 14,9. Ouais, du coup, moi, avec le bike, ça fait plus de 30 kilos, là, aujourd'hui. Comme vous le voyez, on monte par le côté Marial. C'est du bon gros poussage, là. Ça nous fait du mollet. Là, en fait, on se tâte, normalement. On avait prévu de dormir au col, sous la cheminée. Mais ça sera peut-être bien de dormir au sommet. Le problème, c'est qu'ils ont prévu 0 degré cette nuit au sommet. Oh, Mitch, on voit le sommet, là. Ouais. Il est là-bas. Ah, crois, là-haut. Tout là-bas. Là, la cheminée par laquelle on va monter avec les vélos. Sur le dos, bien sûr. Et là, on peut apercevoir deux personnes qui descendent, mais très très lentement. J'ai l'impression qu'ils galèrent un petit peu. Plus je m'approche, plus j'ai l'impression que c'est la grosse caillasse. Et là-bas, ça va être la merde. Surtout qu'il y a du vent. Hein. Si on dort au sommet, on va se cailler le cul, là. Pour l'instant, c'est plus hostile que prévu, hein, parce que la cheminée, elle est dans les nuages et il y a un bon petit vent là. Regarde-moi ça, les nuages, ils vont à 100 km/h là. Côté Espagne, il y a une muraille de nuages. On va péter là-dessous. T'as envie, tu t'es fatigué? Ah oui, tu peux, en fait, c'est les mollets. Ah putain. Allez, c'est parti. Toi, t'as un plus petit vélo, c'est mieux, hein. Un 7.5, je rame plus, moi. Putain, le Rigetti, il faut tout le temps qu'il me trouve une excuse, quoi. Ah, c'est vrai, hein. Ah, moi, je touche la roue à mort. C'est chiant. Un coup, c'est les barres de céréales qui pèsent trop. Là, il a mis le casque intégral, il a peur que je lui fasse tomber des pierres sur la gueule. Mon dieu. Non, mais moi, je l'aime bien, c'est un bon gars quand même. Bon, tu vois, Mitch, c'est pas si terrible la cheminée. C'est pas méchant. Qui me fait chier. Je crois que je vais retirer mon casque. Ah, attends que j'arrive t'aider. Moi, je le fais en deux coups. Hein. Putain, je sais pas comment t'as fait, parce que là c'est compliqué.
je le lâcherai pas. Hein. Alex, dans les 10 derniers mètres. Voilà, et là, toute la petite cheminée. Ouais, tu rayes la peinture, mais tu fais travailler tes abdos. C'est pas mal. En tout cas, Fanny, si elle te voyait là, elle serait fière de toi. Elle dirait, c'est mon homme. Tu vois, c'était une partie plaisir. Ouais, ouais, tranquille. C'est juste le petit vent qui m'a un peu gêné. Catalane. C'est un catalane. Ouais, pour mes potes windsurfeurs, tous les fanas. Alors, je sais que certains sont montés au Canigou. Juju, t'en avais un petit peu chié, je sais. Eh bien, regarde. 15 kilos. 15 kilos, 30 kilos sur le dos, et ce soir on va dormir au sommet là. Les Toulousains ils rigolent pas quoi. Et en plus, ils annoncent 1 degré ce soir avec la tramontane qui souffle. On risque de se cailler les miches, surtout qu'on n'a pas de tente. On va dormir à la belle étoile avec Alex. Bon, Mitch, elles sont comment ces pâtes poulet là? Ça serait meilleur chaud, mais bon. Ça va, je les ai préparées avec amour. C'est royal quand même, hein. Là. T'en voyais, on dirait qu'il a envie d'aller à la mer. Là, Mitch s'est aperçu qu'il avait l'axe arrière qui se barre, ce qui est gênant. Et comment tu le mettrais, toi? Attends, je vais te montrer. Là, j'ai bloqué avec ce petit rilzan. Et si j'en mets trois comme ça? Il a la classe ton vélo comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, Mitch, ramène des cailloux pour rééquiper la plateforme qu'on a là. Au boulot, les collègues, ils m'appellent Hulk. C'est le seul endroit pour dormir et c'est vrai que c'est juste une falaise de 200 mètres. Le problème c'est que Mitch il bouge en dormant, donc c'est peut-être pas génial. Bon, Michel, arrête d'éroder le sommet là. On monte la nouvelle cité de Carcassonne en haut du Canigou. On n'est pas bien là. Le mailbag qui s'est ouvert, ils m'ont oublié toutes les fringues. Après avoir bâti notre muraille avec Alex, on a sorti les duvets. Montre-moi Alex avec le doigt là. Le soleil il va se lever où? Il va se lever là. Juste devant nous là, sur la mer. Bon, ça va Mitch, t'as bien dormi? Ouais, mais je crois que j'étais un peu dérangé, non? Mais ouais, tu ronfles tout le temps comme un porc. Bon bah on attend le lever du soleil, hein. Ça devrait pas trop tarder. On a eu la surprise d'être réveillé en Canigou par un groupe. Vous êtes le chef a priori, ouais, c'est ça Paul. Donc dites-nous deux mots, qu'est-ce que vous fêtez là ce matin? Et on fête les 75 ans de la croix du Canigou qu'on peut voir ici, qui a été montée par nos anciens. Ah, vous avez retiré tous les drapeaux là? Eh oui. Et donc vous allez célébrer une messe là, c'est ça? Exactement, pour célébrer et la joie d'être tous ensemble en haut de ce sommet qui est un peu comme chez nous. En tout cas, c'est la première fois que je vois un prêtre en tenue millet. Mitch, retire ta casquette, c'est une cérémonie là. La vie aussi de l'homme, c'est aussi gravir un sommet, parfois se dépasser. Ces sommets, on se rend compte quand on est monté, c'est pas toujours facile. On peut se perdre, on peut tomber. Nos traditions sont là pour nous enraciner. Nos traditions, ce sont des racines. C'est bien que si un arbre n'a plus de racines, il meurt.
Dans la marche, j'ai tapé. Attends, Alex. C'est la galère par ici. Hein. Ça, c'est le premier tronçon un peu roulant qu'on a depuis une demi-heure. On était vraiment à ras de dos et on commence à être vraiment épuisé. Sauf qu'il nous reste 4 heures encore pour rejoindre Marial. Oh, galère, peut-être pas 4 heures. Ouais, si. Parce qu'il faut remonter là maintenant. Je te l'avais pas dit, mais. Ouais, c'était pas fini. Comment ? 11,5 il reste. Oh, 11,5 quoi ? Kilomètre. Bon Alex, je voulais te dire que t'as perdu ton pari. Il est 16h46. Tu m'avais dit jamais je serais à la voiture à 5h, au minimum 6h. Donc voilà, j'arrive. Je voulais te dire que je me suis régalé avec toi ce week-end. Même si on a eu... on en a chié quoi. Parce que... ce GR, mais on le pensait un petit peu plus roulant que ça, et en fait il était bien pourri. Maintenant il me reste à voir les plans vidéo, et j'oublie pas, t'as dit que tu l'as sorti dans 8 jours maximum, donc si tu la sors pas dans 8 jours, chaque jour de retard, il y aura des pénalités. Allez, bisous mon copain.